La réforme du CG est très importante parce qu'on ne pouvait pas continuer en perpétuel de reprocher aux citoyens de ne pas s'intéresser à la chose publique et à ne pas leur offrir un espace d'expression pour dire en quoi ils veulent ou non contribuer à la construction de l'action publique. Moi, je trouve que la réforme du CESE non seulement donne plus de force, institutionnalise le CESE, mais en plus du fait que pendant toute la mandature, on s'est exercé à faire contribuer les citoyens à travers leur implication dans les travaux directement ou par à travers les plateformes, je trouve que c'était une belle avancée et cette réforme vient conforter notre pratique et surtout la vision que nous avions de la participation citoyenne. Je trouve que le CESE, qui est l'organe représentatif de l'ensemble de la société civile organisée, dont les organisations familiales, parce que nous considérons que le CESE offre un espace qui nous permet d'être encore plus entendu, plus écouté, et le fait de pouvoir le faire en lien avec des personnes, des citoyens qui ont des préoccupations, même si leurs préoccupations n'engagent qu'eux-mêmes, et bien c'est dans la confrontation qu'on peut construire des solutions alternatives au projet pour le pays. Voilà, je pense que les citoyens ont leur place dans la construction de la démocratie. Leur participation est un enjeu à la fois politique, mais aussi de démocratie.